Fumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Ça c'est pas mal, Politano. Presque dans le petit filet, c'est une nouvelle fois le piqué, la soutien du filet. Regardez d'ailleurs, peut-être un but qui va arriver de l'autre côté avec Léo. La passe elle est bonne vers Brahim Diaz qui doit frapper. Oh, tout le banc de Milan s'est levé, croyant au but. Et il y a un pénalty, et un pénalty sifflé sur Léo. Ouais. L'intervention elle est fautive, même si elle est après que le ballon soit parti vers Diaz là. Face à Alex Meret qui a au bout des gants lui la possibilité de maintenir. Olivier Giroud, le français, face à Meret, c'est raté. Et il est arrêté ce ballon, Alex Meret. Déjà se faire tricoter un petit maillot. Pas spécialement bien frappé, il n'y a pas de puissance, la hauteur elle est à mi-hauteur et elle n'est pas spécialement bien placée non plus, donc il n'y a rien dans ce pénalty qui est réussi finalement. Meret, oh la relance, oh la prise de risque avec un ballon dans l'axe, Tonali, Benacer, Sandro Tonali avec Olivier Giroud, il est passé, l'arrêt de Meret de nouveau. Avec une frappe à distance, ça passe au-dessus. Attention à Zielinski. Oh, ça passe à droite avec Lozano. Okay. Il y a pénalty, je pense, non? Non, il touche le ballon. C'est un super retour de Léo. Évidemment, ils vont aller demander le pénalty. Ouh, je ne suis pas si sûr que ça. Bah, il touche le ballon, oui, mais il prend la cheville aussi. Regardez, le premier geste, c'est la cheville, non? Oui, mais il touche le ballon aussi. Simone Marcignac, c'est un autre événement important, un autre moment très important de cette première mi-temps. Et non, joué, dit-il. Le ballon a été touché. Et Raphaël Léo qui est parti à toute vitesse sur le plan. C'est très très dangereux. Hein. Les dribbles de la part du Portugais. Ramani qui est un petit peu traîné. Attention, il va aller au bout, c'est but, c'est Giroud. Incroyable. 0-1, quelle remontée de terrain. Et le Français qui est à la finition. Quelle vitesse! Léo, de nouveau, comme au match aller, il met pratiquement toute l'équipe dans le vent, à lui tout seul. Personne ne fait la faute aussi, c'est ça qui est inquiétant. C'est impressionnant. Et Ramani aussi, là, qui est en dernier, ben, c'est pas à lui à la faire parce que là, il est dans le rectangle. Quel joueur, Léo. Léo qui construit ce but et qui sert Olivier Giroud, blessé. Mais voilà, il est là, il est resté. Skelia pour une première tentative de 1 contre 1, de 1 contre 2 plutôt, puisque Brahim Diaz est venu défendre. Il est passé avec Kvaratskhelia. Ce n'est pas cadré. Ah, il est allé se le créer tout seul. Enfin, se l'a créé tout seul, c'est cette possibilité plutôt. Oui. Avec une nouvelle percussion tentée là, et c'est Krunic cette fois-ci qui vient donner un coup de main. Il est passé Kvaratskhelia. Mais que fait-il? Ah, quel manque d'inspiration! Décalage. Arvin Lozano. Ouais, pas mal vu, dit Lorenzo. Le centre, c'est contré. On réclame une faute de main. Il a donné un penalty. Dans les règles, il est prescrit sur ce genre de phase qu'on ne siffle pas à partir du moment où le bras est dans une position naturelle sur le geste. Il est en train de tomber. Il ne peut pas faire autrement là. Mais bon. Attention, Kvaratskhelia, et c'est repoussé. Eh bien oui, ça c'est pas étonnant du tout, franchement. Mike Maignan aura fait son boulot pour tenir sa clean sheet.
centre, Osimhen, c'est but. Un partout, l'égalisation de la part de l'attaquant nigérian qui demande un ballon au ramasseur de balles. Ça s'énerve un petit peu. Osimhen, pour une fois, qui gagne un duel. C'est ça. Pour une fois, c'est exactement le terme que j'avais emprunté aussi, parce que franchement, et la Maignan du bout des gants. Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.